Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau souvenir d'enfance. Alors voilà, aujourd'hui on va repartir sur un jeu un petit peu plus ancien, voilà, ça date de l'arcade. Mais bon voilà, c'est un souvenir d'enfance parce que moi j'ai connu l'adaptation donc sur Nintendo NES et c'était donc le jeu de Popeye. Voilà, alors regardez, voilà, je vous mets un petit visuel de la version arcade, mais vous allez voir que la version NES a été plus ou moins respectée. Voilà, et une petite photo, ouais, peut-être de l'autre côté, je sais pas, voilà, de la fameuse borne, voilà, de Popeye. Alors il y a eu plusieurs modèles, mais bon, voilà, c'est la borne classique que je n'ai malheureusement jamais vue dans aucune salle d'arcade, ni à l'époque, ni encore de nos jours. Donc si vous savez où ce qu'on pourrait encore trouver, donc de nos jours en 2016, la borne de Popeye pour pouvoir y jouer et faire une petite partie, ce serait cool. Voilà, voilà. Donc, le jeu de Popeye, je ne sais plus si je l'ai dit, du coup, qui est sorti en 1982 hein, sur la borne d'arcade. Et ensuite, il a été adapté sur NES et sur Famicom. Alors, je n'ai pas trouvé de date. Je sais qu'il est sorti en 86 aux US. Et bon, derrière ma cartouche, il est mis 85. Donc, il doit être sorti plus ou moins dans le même temps. Donc, c'est parti tout de suite pour Popeye, The Arcade Game. Donc voilà, il nous marque même un 82 Made in Japan. Voilà. Alors vous avez, Select Select. Voilà, on a un player. On peut jouer à deux sur le jeu. Alors vous avez le Game A, le Game B. Et puis à deux players, c'est la même chose. Alors le Game A, c'est celui qu'on va faire en fait. C'est une version un petit peu plus simplifiée de la version arcade. Tandis que là, le Game B, lui, c'est vraiment. Il est vraiment plus tiré de la version arcade. En gros, il y a une petite sorcière qui vient balancer des crânes de squelettes et compagnie. Non, on va faire Star directement. Voilà. Il y a une espèce de petite sorcière qui vient balancer des petits crânes. Ou, voilà, je pense que c'est encore des petits crânes dans la version arcade aussi. Et voilà, en jouant dans le Game A, ils n'apparaissent pas. Tandis que dans le Game B, ils apparaissent. Alors j'ai ramassé les épinards pour lui déglinguer sa race, voilà. Alors je sais même plus comment il s'appelle le méchant là dans... Oh mais je balance déjà le pot, ouais, je suis trop con. Donc Popeye, voilà, donc le but c'est de ramasser les petits cœurs que Olive fait tomber, voilà. Alors il faut en récupérer, c'est 30, c'est ça, c'est marqué sur le côté là-bas. Je pense que c'est 30, hein, 4, 8, 12, 16, 20, ah non 24. Il faut ramasser 24 petits cœurs. Ah! Mais merde, je l'avais vu venir en plus. Donc ramasser tous les petits cœurs en fait, sans vous faire piéger. Alors attends, on va l'attendre. Faut pas que je me trompe de touche en fait. Ah! Il balance des bazars de merde en fait. Mais dès que je ramasse le truc d'épinard, ça a disparu heureusement. Allez les gars, je viens ici. Voilà. Voilà, alors le jeu comporte 3 niveaux, mais voilà, pour la version NES ou pour la version arcade d'ailleurs, voilà, c'était fait, enfin pour la version arcade, c'était fait en... Hop, merde, loupé. En round en fait, puisque c'est un jeu à scoring, et donc vous faisiez la round 1, 2, 3, puis arrivé à la round 4, bah, évidemment, c'était la round 4 en fait, c'est le premier niveau, donc celui-ci. Évidemment, la difficulté se corse. Ah merde! Merde! En plus, j'entends la musique depuis tout à l'heure et je vous papote. Bon, c'est pas grave. En gros, voilà, si les cœurs arrivent en bas, dans l'eau, évidemment, voilà, il y a un petit décompte qui se fait et après, on meurt. Et voilà, et je papote. Bon, j'ai du son sur le truc, mais là, j'ai pas. Je vais pas tilter qu'il y avait le cœur qui était là. Bon, alors ce coup-ci, on va lui foutre la gueule dans le panier. Mais non, trop tard, c'est pas grave. Il n'y a rien de compliqué, hein. Je viens juste de perdre deux petites vies en faisant des conneries, mais bon, c'est pas grave. Le mieux, c'est de s'éloigner de lui. Oh, mais il saute d'un bond. Game over net, les gars. Et ce qu'on va faire, on va refaire une partie, parce que voilà, c'était la petite partie, comment je vais dire, voilà, pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors par contre, je fais une coupure de 30 secondes parce que j'ai mon chat qui est en train de gratter là-bas, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, mon chat est en train de tout péter là-bas sur mon frigo, déjà il m'a fait tomber un personnage de Lego Dimension. Donc on va prendre le game, le vrai game, voilà, de la version arcade.
Avec donc la petite sorcière, comme je vous disais, qui vient balancer des crânes. Et bon, ça va être encore plus hard, mais bon, c'est pas grave. Voyez, elle est là-bas au-dessus. Mangez des épinards, les enfants, c'est bon pour la santé, vous deviendrez fort comme Popeye. Du coup, avec la sorcière, j'ai peur d'attendre qu'elle vienne me balancer des crânes dans la gueule. Tiens, mange ça, joli. Voilà, donc elle vient balancer des petits crânes que je peux, voilà, déglinguer. Alors, je pense que la sorcière, elle reste au-dessus, là-bas. Tandis que dans la version arcade, la sorcière, elle voyage sur tous les niveaux. Peut-être que c'est plus loin dans les niveaux qu'elle va le faire aussi sur la version NES. Alors, on n'oublie pas le petit cœur. Voilà, pour refaire revenir la petite musique généreuse. Alors, on va bien rester là-bas, hein. Ah, le pot ne réapparaît plus, justement. Joli, joli. Des fois, il saute deux fois de suite. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est bien de m'écouter quand je fais une vidéo. Au moins, je passe pas pour un con en disant des trucs et après, ça se passe pas. Mais non, il n'y a pas le pot, moi, je veux tirer. On aurait dû commencer directement par la version dure, hein, les gars. Non, il fallait vraiment que je me remette les commandes en tête. Enfin, on va dire les commandes. Il y a juste une touche A et une touche B, mais bon. Ah, merde. Descends. Ouh, tout juste. Il me fait peur. Bon, il reste plus que presque pas beaucoup de cœurs là. 7 petits cœurs à ramasser, alors on va déjà aller chercher. Non, descends. S'il me saute dessus, je suis mort. Voilà. Pom, pom, pom. Attention, attention. Oh, voilà, joli. Bon, ben il en reste plus que 2. On va essayer de pas perdre. Hein. Ce serait trop con. Voilà, j'ai eu peur qu'il agite ses petits bras en l'air. Et niveau terminé. Finish. Donc voilà, ça récupère tous les cœurs pour en faire un petit cœur là autour de Olive. Ça va, j'ai pas perdu la main, c'était vraiment la première partie en fait. Oh, oh mon petit. Ah non, c'était l'autre touche pour sauter. Ah bah on sait pas sauter du coup, on sait que tirer un point. J'ai rien dit. Voilà, c'est pour ramasser les épinards, c'est la touche A. Parce que si j'appuie sur B, bah, ça fait rien. Ouais, lui il passe, mais moi je passe pas. Donc ici, à la place des petits cœurs, ce sont des petites notes de musique. Et vous voyez, il y a une espèce de partition. Ah non, ici, il faut sauter ici. Wow, joli, j'étais encore sur la fin de l'effet des épinards, du coup je l'ai déglingué, sinon je serais mort. Alors on va remonter. Alors on a une note qui est prisonnière en bas, on va vite aller. Voilà donc la méchante sorcière qui balance des crânes. Ah, il y en a deux! Donc voilà, dites-moi si vous avez connu ce jeu hein, sur NES ou alors sur... Oh merde! Oh, heureusement, on peut passer d'un écran à l'autre, j'étais plus sûr. La version NES ou bien la version arcade même, hein, voilà, ce sera encore plus cool. Et si on peut encore trouver des bornes à l'heure actuelle, bah, ce serait cool que je me fasse une petite partie sur la borne. On va passer par là. Voilà, si on l'évite bien, bah, on est tranquillou. Ah, ils vont me descendre sur la gueule! Joli. Il va sauter deux fois. Non, oui. Bon, il nous en manque plus que deux. Dont une en bas. On peut pas sauter. Il va rester en bas, cet enfoiré, pour me bloquer. Oh, joli, joli. Bon, on a gagné, les gars. Yes! La petite musique nostalgique. Et voilà, donc la round numéro 3, ben c'était le fameux bateau de pirate. Oh ! Ah, avec ce saleté d'oiseau, je me souviens, qui passe comme ça. Ah, déjà, on va prendre les épinards pour déglinguer sa race. Tu montes au-dessus ? Ah, merde. Et ici, ben en gros, voilà, on voit que le H pour le moment, mais elle balance, ben... des lettres pour faire help, help me, non help tout court. Alors ah, ici faut pas se faire naglinguer par l'oiseau. Ludo le fou, saute, saute mon petit. Ah voilà, en gros ici, merde,
on ramasse les lettres pour faire le mot help, mais voilà, en fait, chaque lettre constitue Ah, il faut recommencer à zéro. Non. Fait un barreau de l'échelle, en fait. Vous voyez, juste ici au-dessus de moi, voilà. Et il faut que l'échelle arrive jusque en haut. Voilà. Ça va être chaud. Si on prend l'épinard, ça va déjà nous sauver un cran. Viens, mon petit. Il a peur. Il est plus dur à éviter dans ce niveau. Joli. Oh, le machin, il descend jusqu'après moi. Tiens, marafle dans ta gueule. Oh, putain, j'ai cogné mon bazar à côté. J'ai fait un flip. Trop fort. Donc la barrière fonctionne toute seule. Hein. Oh, joli. Voilà, donc je vais jouer la partie tranquille. Parle pas trop vite, après je vais me faire déglinguer. Et on terminera les vies justement sur le round 4. Bah, on voit pas les rounds ici puisque c'est la version arcade, enfin la version NES. Mais voilà, sur arcade on continuerait. Bah, les points continuent aussi ici évidemment. Hein. Donc ouais, voilà. C'est vraiment. Ah putain, les lettres elles sont tout en bas. Ah, joli remont. Non ! Non, non ! Bon, on a encore deux vies, heureusement. Ah, du coup, faut qu'elle rebalance ses putains de lettres. Ah, voilà. Ça, c'est de votre faute, les amis. Voilà, je vous parle et je fais pas forcément attention. Voilà, il en manque plus que 3, de toute façon, 4. Oh, il y a le P, il se barre en couille, là. Ah! Voilà, voilà, joli, 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 joli. Et victory, voilà. En gros, à l'époque, si je finissais déjà les 3 premiers niveaux, c'était déjà bien, parce que les 3 vies, c'est pas évident. Et voilà, bah, on se disait, bah, on a fini le jeu, et voilà, bah, en gros, voilà, les points continuent. Et bah, il est marqué, en fait, voilà, hein, sur le haut, juste au-dessus de ma tête, en fait, dans le tableau, j'avais pas fait attention. Il est bien marqué round 4, hein, voilà, et il me reste une vie. Ouh, le petit fumier, non, j'aurais pu tirer là-dedans. Alors là, il va être méchant, hein. Vite, les épinards, oh, joli. Taran, 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 taran. Ah ah, mon petit tapeur, tiens, ah merde, oh joli. Et la petite sorcière qui balance les crânes. Donc ouais, si vous n'avez vraiment jamais joué au jeu, bah, je vous invite à le découvrir. En vrai, c'est un jeu qu'on peut trouver pour 5-6 euros max en loose, hein, voilà, il coûte pas cher le jeu. Ou même, bah, voilà, sur émulation via Room Station. Mais voilà, faites le jeu A sans la petite sorcière au pire. Bon, voilà, le jeu, je l'ai retourné dans tous les sens depuis des années, donc ouais, voilà, ça c'est vraiment un jeu, il n'y a pas besoin de se refaire de l'entraînement. Juste la petite partie que j'ai fait avec vous, là, avant que mon chat ne vienne tout déglinguer. Ah ouais, là, 2 jours, il a fait tomber un personnage de Lego Dimension derrière mon petit frigo à bière, merde, j'ai foiré. Et là, en fait, il était sur le petit frigo avec sa patte en train de taper. Donc, à mon avis, lui, il l'a retrouvé, mais moi, non. Ce que j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, je vais devoir tout bouger. Param, moi, je suis Popeye, le roi. Alors, je ne sais pas si sur la version arcade, on avait plusieurs crédits pour une pièce, on va dire. Ou si c'était une vie par, enfin, un crédit par pièce. Donc voilà, c'est toujours cool quand je fais des petits souvenirs d'enfance, bah au moins. Ouais, allez, coup de poing dans les couilles et on chipote pas, et Popeye est noyé. Donc voilà, game over. Donc voilà, c'était une petite partie pour le fun, comme ça c'est vraiment une toute petite vidéo de souvenirs d'enfance. Et alors il y a un mode de joueur qui est la même chose, mais on joue une vie chacun en gros, donc... Donc bah, c'est pareil, hein. Donc voilà les amis, dites-moi tout ce que vous savez sur l'ami Popeye. Et voilà, on se retrouve pour un prochain souvenir d'enfance, un unboxing ou voilà une autre vidéo. J'en sais pas plus à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc bah, je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée ou voilà, ou peu importe où, à quel moment vous regardez ma vidéo. Et je vous dis ciao ciao les amis.